Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo où on va aller à la rivière avec Rémi et avec Julien. Et allez, c'est parti. Bon, on va où là Rémi? Là on va sur un spot mythique de la région où nous sommes. Que je ne connais pas. Ça y est, en plus ça va pas loin. J'habite pour l'été, c'est super, tu peux te mettre dans l'eau avec un truc gonflable, okay. Tu peux piloter depuis l'eau et tout. Oh, vous savez ce qu'il m'a dit pour venir hier? Il m'a dit, ok t'es chaud. Tu viens, on va marcher dans la rivière. Mets des vieilles chaussures, on va marcher dans la rivière, je sais pas quoi là. Donc on va voir, surprise. Voilà, je vous emmène avec nous. Oh, là il n'y a pas de feuilles, mais en vrai tout ça c'est presque fermé. Et ouais. Tu vois tout là-bas derrière, t'es quasiment à l'abri des vues. Ok. Et tu peux te mettre dans l'eau et tout, il y a à peu près ça d'eau. D'accord. Et ça te fait 1 km entre là-bas et ici, le vol. Ah, ok. Direct, c'est tout droit finalement. Tu peux pas glisser ça, je suis rien. Julien un peu en panique, non? Non, non, panique non. Ah ok, moi j'ai pris des chaussures d'eau. Enfin, je... Hop là. Ah ouais, d'accord. Il est fou. Mais c'est ça que j'aime. C'est ça qu'on aime tous, hein, je pense. C'est quoi cette os? Ah. C'est froid. N'importe quoi. Quelle idée à la con! J'espère qu'on va faire de belles images. Hein. Là, tu peux passer. En fait, j'avais fini une fois, tu passais dessus ceux-là, dessus ceux-là, et tu passais sous les 3 qu'il y a là. Ouais, t'es ambitieux quand même. Là, il y a beaucoup d'eau, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Là. Je sais pas si vous m'entendez, mais j'ai fait la bêtise de mettre mes hélices à l'envers. J'ai voulu décoller, et ben non, forcément, parce que la poussée était de l'autre côté. En fait, d'habitude, je vole en props in, et ce quad, il est en props out, et du coup, je me suis trompé. Changé quoi? Là c'était des 20-04, ouais. Et là c'est des 22-04. Ok. Tu vois une différence là? Ah ouais, ouais, rien à voir. Okay. Après il va consommer beaucoup plus, hein, mais, ouais. Mais bon, ouais. Avant c'était vraiment un truc de balade que tu peux rien faire avec. Ouais, quoi. C'était du gros cruising. Okay. Ouais. Là, non, là, là t'as vraiment une machine un peu freestyle quoi, tu peux faire carrément. Ouais, okay. Tu m'en parlais vite fait? C'est quoi cette machine? C'est le Recon, c'est ça? C'est le Recon. Ouais, mais attends, regarde, attends. Non, mais on dirait voit, des pêcheurs. On voit pas le bas. On voit pas le bas, d'accord. On voit que le haut. C'est le Recon de chez AGVRC. Ouais. Il y avait des moteurs dessus en 2004 Aeolus. Ah ouais. Ouais, ils sont quand même beaucoup plus puissants. Hein. Ils sont jolis. Hein. En fait, je sais pas vraiment le créneau de cette machine, pour être honnête. Après, ça qui s'est. Parce que niveau autonomie, on est à combien là? Ah bah niveau autonomie, si tu mets une Lion, tu peux avoir 20 minutes, mais t'as quand même de la patate avec une Lion pour des moteurs comme ça, du coup. Bah t'as un peu plus de patate, mais quand même moins... Ouais. Ouais, non. En fait, si tu veux, c'est pas que les moteurs, il y a aussi les hélices comme ça, des hélices à très faible pas, c'est pas... Ouais, ok. En fait, si tu veux faire de la balade tranquille avec un drone qui fait pas de bruit, ça ouais, peut être pas ça, mal. En fait, c'est le son. C'est le son, ouais. Ouais. Ça fait pas de bruit. Là, c'est tout léger, ouais. Ouais. Ça fait pas mal. Okay. Mais après, bon... Oh là là, la catastrophe, une hélice démontée par une petite branchouille là comme ça. Son drone est en l'air, hein. Le je truc, tiens à préciser. Non mais il avance. Son drone est en l'air. Hein. Attends, je calme bien.
Il est où mon ST, Julien? Attends, je rajoute quand même. Non, non, il va tout droit, c'est bon. C'est bon, tu te rapproches vers nous là? Ouais, ouais, je vais juste le ramener un peu plus par là, parce que là il va vers la route quand même, on va faire les coups quand même. Non, on va pas tarder à le voir là. Ah oui, il arrive, tu vois? Ah oui, je le vois. Ça fait déjà 5 minutes et il me reste quasiment 23 volts. Ça va commencer à me faire chier là. Allez, ça repart. Dans l'au-delà. Moi, je suis content, j'ai pas foutu mon drone dans l'eau. À tout moment, vraiment, il est tombé dans l'eau. Vous voyez dans mon petite caméra DJI, les petites gouttes qui sautaient. Mais tout s'est très bien passé et j'espère que les images sont cool. Enfin, vous les avez vues. En tout cas, dans le masque, bien kiffé. Bonne petite adrénaline. Quoi, il y a une grenouille? Regarde-moi ça. Elle est belle. Pour l'apéro. Ah, c'est bien dégueu là. C'est ça, les vlogs comme ça qu'on adore. Oh, je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Mais il y a des chaussures propres qu'il a dit l'autre. Pour tout vous dire, qu'est-ce qu'on fait là? Déjà, on regarde s'il y a des spots pour voler. De 1. Et de 2, on regarde si on fait du repérage. Pour potentiellement faire une vidéo cool. Je vous dis pas de quoi, mais voilà, ça peut se faire régler. Ah, il va y avoir une vidéo cool, ouais. Il y a moyenne. Ah, il va y avoir une vidéo très cool, ouais. Voilà, ça tease. Donc, je vous dis ciao, hein. J'espère que vous avez... Il y a rien à voir avec du drone, un peu, pour une fois. Ouais, enfin, il y aura le drone, ça sera un outil, quoi. Ouais. Du coup. Voilà, bon, en tout cas, moi, je vous dis ciao. Vous dites au revoir ou pas? Vous en battez les couilles. Ah bon. Ils s'en battent les couilles. Allez, on dit ciao, comme d'hab, lien en description. Je peux en battre les couilles, j'ai tellement les couilles droites, mon gars. On se retrouve la semaine prochaine, parce que là, ça devient un peu vulgaire. Bye.